Changer d'avis, d'amis, de pays, pour ça je ne vois aucun souci. Réinventer les noms de tout, se créer un joli monde à nous. On peut bâtir des tours plus hautes que le ciel, décider à la place d'un dieu, mais rester dans des bras qu'on aime, ce n'est pas donné à qui veut. Est-ce qu'on peut changer le destin des gens qui s'aiment bien? Il semblerait, même si on fait de notre mieux, qu'il n'y ait pas de dénouement heureux. Est-ce qu'on peut changer la fin contre un début moins bien? À choisir, moi je voudrais mieux rester à deux, ou simplement écrire un dénouement heureux. On peut imaginer plus loin que les murs, déjouer les lois de la nature, changer un arbre en guitare, un coup d'un soir en grande histoire. On peut changer de vie, de lit, d'ADN, vu si on se penche un peu, mais se séparer en bons termes, ce n'est pas donné à qui veut. Et est-ce qu'on peut changer le destin des gens qui s'aiment bien? Il semblerait, même si on fait de notre mieux, qu'il n'y ait pas de dénouement heureux. Est-ce qu'on peut changer la fin contre un début moins bien? À choisir, moi je voudrais mieux vieillir à deux, ou simplement écrire un dénouement heureux. S'il n'y a pas de dénouement, c'est mieux. Est-ce qu'on peut passer pour des fous si on se tient la main, alors que c'est fini depuis longtemps, nous deux? On l'écrirait ensemble, ce dénouement.